Eh bien cette fois, ce ne sont pas les pandas qui font la une à Paradise, mais bien deux Inuits et un caribou, tout droit sortis du savoir-faire du service des espaces verts de la province de Hainaut. Direction la Terre du Froid, le 8e monde de Paradise. Derrière, en fait, les deux Inuits, les deux Esquimaux, et notre caribou, il y a un très beau projet. Projet qu'en fait des gens passionnés, qui soient à la province ou à Paradise, peuvent se serrer la main et monter de beaux projets, répandre de l'optimisme, de la beauté autour de nous. On a quand même chez nous espaces verts à peu près 50 œuvres maintenant depuis 2000, ce qui n'est pas rien dans différentes thématiques. On améliore encore un petit peu l'originalité, les sujets. Oui, c'est une référence, on vient vers nous dans les villes communes, c'est le but aussi de notre savoir-faire inuit dans notre propre province et même ailleurs. La preuve à Gand, on a eu un premier prix pour le design au mois d'avril. Oui, c'est promouvoir un changement. Le fleurissement urbain, c'est bien, mais les gens aiment du changement et voir autre chose par les fleurs, par les couleurs. Et dès qu'on crée une mosaïculture et qu'on le place dans un parc, ce n'est pas dégradé. À l'inverse, malheureusement, deux fois de jardinières ou de vasques. Rappelons quand même que les espaces verts ont reçu un prix très prestigieux aux Floralies gantoises. Allez, un petit cocorico wallon, ça fait plaisir de temps en temps. Et qu'en fait, ce savoir-faire, ce génie créatif pourrait se retrouver sur plein de ronds-points de notre belle province du Hainaut. Et donc, on va faire beaucoup de publicité pour notre province. On va probablement aussi engager deux collaborateurs pour se former à l'art de la taupière et travailler avec nos amis de la province du Hainaut. Ça démontre qu'au-delà de toutes ces questions institutionnelles dont tout le monde s'en fout finalement, ce qui importe c'est la qualité du travail que l'on fait. Alors quand on ne travaille pas bien, il faut le dire, mais quand on fait des choses excellentes, il faut aussi le dire et le montrer. Et venir ici et pouvoir réaliser des choses comme ça dans ce lieu exceptionnel, je pense que c'est tout à fait motivant pour nos services et c'est aussi tout à fait exceptionnel pour les visiteurs, donc tout le monde y gagne.